Dans les temps qui précédèrent les Titans, bien avant les dieux de l'Olympe, une féroce bataille fit rage. La colère des primordiaux les tout premiers êtres à l'origine de la Terre fut déversé sur le monde pour une éternité. Et c'est cette fureur, cette violence sans borne, qui donna naissance aux Erinni. Ni titan, ni dieu, ni mortel, ni ombre. Les Erinni ne devaient rien à personne. Elles étaient les gardiennes de l'honneur, pourvoyeuses de châtiments et fléaux des traîtres. Quand Zeus accéda au pouvoir, il découvrit qu'il n'avait rien à craindre des sœurs. Les Erinni cherchaient à punir uniquement ceux qu'elles jugeaient coupables. Le premier de ces traîtres fut Égéon, l'Hécatonchyre. Lorsque la brute prêta serment à Zeus par le sang et trahit ensuite le roi des dieux, les Erinni ne tardèrent pas à réagir. Les sœurs traquèrent Égéon sans relâche et une fois capturé, elles le torturèrent à l'infini. Les Erinni estimaient que la mort était trop douce pour les parjures. Égéon, l'Hécatonchyre, devint un exemple pour tous. Une sorte de modèle qui dissuade quiconque de rompre un pacte de sang avec un dieu. Bonjour à tous et à toutes, c'est Bestie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Frapsolus. Et oui, ce n'est pas la Frapsolus de Dead Space 3, comme je l'avais dit, mais bien celle de God of War Ascension. God of War Ascension, le quatrième opus de God of War sorti sur PS3. Voilà. Donc, un nouveau God of War, enfin un nouveau, bon, voilà, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. Mais, voilà quoi, ça en jette quand même un petit peu, hein. Donc voilà, alors édité par Sony, développé par Santa Monica Studio, comme ceux qu'ont fait tous les autres God of War, c'est de l'action beat'em all. C'est sorti en France le 13 mars 2013 sur PS3, exclusivement sur PS3 bien évidemment, et Peggy conseille ce jeu au 18 et plus. Voilà, parce qu'il y a de la violence, du sang et un peu tout le bordel. Voilà, donc pourquoi je fais cette Frapsolus avant Dead Space 3? Tout simplement parce que, déjà vous êtes plein à me demander que de la faire déjà, rapidement. Et puis ensuite, Dead Space 3, voilà, c'est un jeu qui est sorti quand même il y a plus, plus de temps que ça. Et puis, je me suis dit que je vais terminer d'abord les Frapsolus très importantes que je fais, que j'ai à faire. Et qu'ensuite, je ferai Dead Space 3 quand j'en aurai le temps, en fait. Tout simplement. Voilà, donc, un nouveau God of War. Alors, attention, ce n'est pas God of War 4, c'est God of War Ascension, c'est-à-dire que c'est... en fait, ce jeu est une préquelle, en fait, qui raconte ce qui s'est passé avant même God of War 1. Donc, la vie de Kratos et tout ça, comment il est devenu le fantôme de Sparte, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce jeu? Un mode solo et un mode multijoueur. Grosse. Comment on va dire ça? Non, on va pas dire le mot que j'allais utiliser. On va dire gros affront, blasphème. Voilà, je sais pas comment ils ont pu faire ça. Mais comment vous avez pu faire ça, un multijoueur dans God of War, sérieusement? Et en plus, enfin voilà, un multijoueur. Ok, il aurait pu être bien. Mais en plus, il est pourri. Il est pourri. Ce multijoueur est gravement pourri. Voilà, bon, après, on a les extras qui concernent tous les bonus. D'ailleurs, ça me fait un peu souffrir de ne pas voir le menu traditionnel avec la tête de Kratos. Enfin, voilà, quoi. Mais putain, pourquoi un multijoueur? Pourquoi? Et en plus, il est naze. Il est vraiment très naze.
Voilà, et c'est pour ça que ce jeu est pas naze, mais bien. Voilà, juste bien. Pas très bien, pas exceptionnel. Non, non, juste bien. Ce jeu est bien. Voilà, c'est tout. Il détrône même pas le 3, c'est pour vous dire. Allez, bref, on va arrêter de blasphémer ce jeu, parce que c'est un God of War, et les God of War sont tous bien. Voire très bien, voire même exceptionnel, mais pas celui-là. Voilà, donc vous voyez que j'ai terminé le jeu en mode normal, en mode facile pour effectuer les trophées plus facilement, et en mode difficile, bah pour le trophée difficile, ouais, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a 30 chapitres, donc on va en créer un nouveau. Création de profil. Ok. Donc nous avons des objets à récupérer aussi, hein, des reliques à récupérer, donc comme dans tous les God of War. Donc comme je l'ai dit, c'est une préquelle, donc on va revoir la vie de Kratos avant. Et voilà quoi, c'est... Ce jeu est... Ben voilà, moi j'ai été assez déçu parce que je m'attendais vraiment à un truc exceptionnel après avoir fait le 3 évidemment. Et voilà, je me retrouve avec ça. Bon voilà, vous avez le New Game Plus qui est apparu. Voilà, qu'on peut utiliser, mais c'est pas ce qu'on va faire. Nouvelle partie. En normal, et puis bah voilà, je vais vous laisser la cinématique et on se retrouvera juste après, s'il n'y a rien après le mode normal. Eh ben non. Kratos, le grand général spartiate, fut finalement vaincu. Devenu fou, torturé et doutant de son environnement, le guerrier se trouva pris comme un insecte dans la toile des Erinni. Jamais, jamais tu entends. Hop, je vous arrête tout de suite, attendez, ouais. Hop, voilà, un petit instant, c'est juste pour les options, pour voir si j'avais bien tout réglé, je suis désolé de vous couper maintenant, ouais, ça doit être bon, ça aussi, et ça aussi, voilà, donc je suis vraiment désolé, et je vous remets la cinématique. Tu sembles perdu, Kratos. Ne te rappelles-tu pas ce moment spécial passé ensemble? Mais une fois de plus, nous avons été brutalement interrompus par ma sœur. Alecto n'a jamais appris les bonnes manières. Ne t'en fais pas. Je suis plutôt doué pour enseigner. Hop, c'est parti. Donc là, on rentre dans le jeu. Waza, petite esquive. Quoi, ouais, donc là, faut juste qu'on esquive. Je te dois bien cela. Hop. Donc, on se rappelle que le God of War, c'est basé sur le QTE. Qu'on va apercevoir bientôt. Donc là, on est dans la phase tutoriel du jeu, évidemment.
Ah, musique emblématique de God of War. De toute façon, si vous avez déjà vu ma vidéo de découverte de God of War, vous saurez de toute façon tout ce qui se passera dans cette première vidéo. Et même dans la deuxième et dans la troisième, puisque bah, ça sera un peu la même chose de toute façon. Donc voilà, on se retrouve in the game, dans le jeu. Donc déjà, ce que vous avez pu apercevoir, c'est la voix de Kratos qui a changé. Donc là, encore gros blasphème. Donc on a toujours, là, on est toujours en phase tutoriel dans le jeu. Donc vous voyez, on a toujours le même principe au niveau de l'interface. La barre verte, c'est pour la vie. La barre bleue pour la magie. Les orbes rouges pour l'expérience. Voilà. On a quelques petites nouveautés, comme par exemple le rond, qui ne sert plus à prendre nos ennemis, mais à voilà, faire des attaques au corps à corps. On a R1 qui sert cette fois à prendre nos ennemis. Après R2 et L2 ça fait rien. L1 c'est la garde. Et le joystick droit c'est pour l'esquive. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc phase tutoriel comme je l'ai dit, avec les petits messages qui m'ont arrivé. On rappelle que il y a... Tu n'es qu'un pitoyable mortel. Mouah, je suis méchant. Voilà, donc là il vous explique bah, tout ce que je vous ai déjà expliqué. Oh là là. Voilà. Non. Tiens. Voilà. Nouveau aussi dans l'interface, c'est la petite barre qui se trouve en bas à droite, voilà, qui est une jauge de rage, si je dis pas de conneries. Voilà, qui symbolise en fait la rage de Kratos et les nombres de combos aussi. Parce que si vous remplissez cette rage, vous avez des nouveaux combos que vous pourrez utiliser. Donc c'est une méthode que je trouve assez pourrie personnellement, parce que je préfère quand même avoir tous les combos en main plutôt que... Bon, il se peut aussi que durant toute cette Fratolus, je risque d'effectuer les mêmes combos à chaque fois, hein, je suis vraiment désolé, mais voilà, il n'y a pas trop de choix à ce niveau-là. Sauvegarde automatique, ce que je trouve aussi assez con, parce que je crois qu'on peut pas sauvegarder tout seul. Voilà. Voilà, pour la vidéo, ça sera au feeling, hein. Ah. Hop. Des orbes rouges. Témoignage du scribe de l'Hécatonkyr. Chaque nuit, ils viennent dans ma cellule. Ce qu'ils font est abominable. Les parasites de Mégère, je ne peux m'en débarrasser. Ok. Voilà, donc les orbes qui servent évidemment à améliorer nos armes. Hop. Donc, comme dans tout God of War, nous avons toujours les œils de Gorgone et les plumes de phénix pour augmenter notre vie et notre magie. Ah, je déteste ces trucs. Oh, ça me fout des frissons dans le dos, ce machin-là. Voilà. Alors, au niveau technique, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais c'est quand même nettement moins beau que dans God of War 3. Hein. Personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est moins beau. Hein. Je sais pas. Bonjour, monsieur. Voilà, R1 pour agripper nos ennemis. Avec rond, on peut le lancer. Et on peut aussi, voilà, l'attaquer avec carré. Et avec triangle, on peut faire ça. Hop. Tiens. Ok, ça a pas marché. On va savoir pourquoi. Les nouveaux mouvements carré et triangle ne seront déclenchés que si la jauge de rage est pleine. Je sais, je l'ai déjà dit. Voilà. Et quand ce petit truc, quand cette jauge rouge apparaît au-dessus des ennemis, c'est qu'on peut leur effectuer un finish. Voilà, donc ce n'est plus les QTE. Putain, là je suis chaud là. Hein. Tiens. Hop, bam. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors là nous avons des ennemis avec des armes. Et la nouveauté aussi qu'on peut apercevoir, enfin qu'on va apercevoir si j'arrive à effectuer tout ça. Voilà. Tiens. Toi, hop, tu meurs.
Alors, ce que vous aurez pu remarquer aussi tout de suite, c'est que les combats sont extrêmement longs. Hein. Comparé au God of War 3, les combats normaux comme ceci seront extrêmement longs. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Un petit truc du développeur, mais là, ils ont vraiment merdé au niveau de ce jeu. Hop, voilà. Ok, les dialogues qui se chevauchent, ça c'est normal aussi. Voilà, donc maintenant on peut prendre des objets et les utiliser. C'est-à-dire que maintenant, voilà, avec rond, je peux utiliser par exemple une épée, une lance, un boulet, enfin voilà, plein de trucs. Et avec L1 et rond, je peux lancer l'objet, voilà. Alors ça n'apporte rien de plus parce que les objets qu'on récupère, on peut pas les améliorer. Vous allez voir qu'en fait on va récupérer aucune nouvelle arme dans ce jeu. Améliorable, hein, je dis bien améliorable. On a que les lames du chaos. Après on aura des pouvoirs de magie évidemment. Mais sinon voilà, vous aurez que les lames. Vous aurez aussi de nouveaux objets pour voilà, vous aider dans les combats, mais ça sera juste terminé, il n'y aura plus de nouvelles armes. Témoignage du scribe de l'Hécatonkir. Les serments faits aux dieux sont trop faciles à prononcer et bien difficiles à rompre. Les Irini ont une vision du bien et du mal qui leur est propre. J'avais remarqué. Hop, encore de l'expérience. Alors normalement, d'ici la fin de cette frappe solus, je réussirai à augmenter toutes mes armes. Ok. Hop. Vous pouvez désactiver les astuces via le menu options. Ouais, bon, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, mais bon. Alors normalement, ça doit s'ouvrir, mais bon. Tu vas voir le sort qu'on réserve aux traîtres ici. L'épée peut exécuter des séries de coups et étourdir l'ennemi lorsqu'elle est jetée. Bon bah très bien. Hein. Mon niveau artistique, hein, voilà, on peut rien envier, c'est super joli. Niveau artistique, hein, parce que niveau technique, c'est un peu la merde. Enfin, c'est pas vraiment de la merde, mais c'est moins beau que le 3, hein, je suis désolé. Allez. Et la taille. Tiens. Voilà. Oh non, là, elle va refaire son machin, là, non, son truc. Ah, non. Voilà. Oh, putain. Voilà, alors ça c'est un truc qui m'énerve. Alors je sais que je peux rien changer à ça, mais voilà, quand j'attaque des ennemis, eh ben ils se prennent les dégâts, mais ils attaquent quand même. Et voilà, je sais pas. Je vois pas pourquoi ça fait ça, hein. Voyons un peu comment tu t'en sors face à l'Hécatonkir. Oh, mais c'est super dégueu. Ok, bon, on connaît tous cette bestiole. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est les combats de boss. Parce que dans le jeu, il n'y en a pratiquement pas. À part le boss final, voilà, il n'y a pratiquement aucun combat de boss. À part, oui, celui-là aussi. Ouais, tataï. Voilà, sinon, voilà, il n'y a pratiquement aucun combat de boss. Voilà, à part celui-là, voilà, j'en vois que 2 ou 3. Allez, tiens, mange. Allez, tiens. What the... Non, c'est bon. Non. Ça va, c'est bon. Pourquoi tu veux pas crever? Voilà. Appuyez sur R1 pour agripper un ennemi, here we go. Et là on va entamer les phases de QTE qu'on connaît si bien dans God of War. Ils sont assez simples hein, par contre.
Ok, deuxième phase. Vite, 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 rentre. Non, c'est bon, je me suis pas pris le coup. Enfin, ça aurait pu pourtant. Non, non, vas-y, rentre. Oula, non, aïe. Bon là, je me suis bien pris dans la face. Bon, j'espère que le... Oh putain, non c'est bon. J'espère que le prochain God of War, qui normalement sera le 4, hein, parce que voilà, j'espère qu'il y aura la suite hein, quand même. Normalement, qui se fera sur PS4. Hein. Ah mais tais-toi. Qui se fera sur PS4, j'espère qu'il sera bien meilleur, hein, personnellement. Franchement, j'espère... Non, vite! Oh là là! Ça, c'est les bugs de maniabilité aussi qui sont présents dans tous les God of War. Hein, qui apparemment bah, sont de retour, hein, voilà. Allez. Non! Aïe. Voilà, et là tu sautes. Voilà, je fais le double saut, mais... Putain, des fois ça marche pas, mais là, ça a marché. Voilà. Allez, on va te finir mon coco. Kratos pas content. Voilà. Comment tuer quelqu'un? Tu ne peux pas nous vaincre. Mais si, je peux. Je suis Kratos, je peux tout faire. Par contre, qu'ils aient changé la voix de Kratos, là, ils abusent. Hein. Alors, soit j'espère... Parce qu'ils n'ont pas donné d'explication, en fait. Soit j'espère que bah, c'est parce que c'est une préquelle, en fait, et donc la voix doit changer, même si je comprends pas trop pourquoi. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Pour s'esquiver tous les trucs, là. Ah bah, bien sûr. Allez, hop, le deuxième. Oula, oula, là, 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 le bug son... non, le bug image, pardon. Wouah, oh, le bug. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Donc bref, voilà, je crois que soit c'est parce que c'est... soit c'est parce que c'est une préquelle, hein, donc parce que voilà, la voix doit changer, soit... soit parce qu'il y a eu un empêchement ou quoi, parce que j'espère franchement qu'ils n'ont pas changé la voix. Un témoignage du script de Hécatonkir, le fils de la reine Erini est venu au monde ce soir. Est-il le guerrier marqué de la prophétie? Comment un être aussi jeune peut-il être autant méprisé par son père? Ok. Voilà, on va le rencontrer, hein, le fils. Donc voilà, franchement, parce que j'espère que, putain, ils vont reprendre la voix de Kratos, parce que là, ça... Et moi, c'est... j'espère qu'il y a une pétition ou un truc comme ça, parce que c'est pas possible. Voilà, donc petite phase de plateforme, hein. Hop. Mes sœurs sont trop tendres envers toi. Hop. Alors, si vous l'avez remarqué, il y a des bugs son qui ont été corrigés, hein, parce que, voilà, dans ma vidéo de découverte, il y a le son qui est légèrement décalé, et c'était pas de ma faute cette fois, hein, c'était vraiment dans le jeu. Et là, apparemment, ça a l'air d'être... de s'être réglé. Donc ça tombe bien. Tu as fait tomber un homme dans une cage, c'est pas bien. Voilà, donc là, on a de la vie. Là on a des bestioles. Ok. Ah, des petits coffres, j'adore les coffres. Alors évidemment il y aura des coffres cachés, hein, vous vous en doutez. Petit sadique de développeur. Oui, attaquez-vous entre vous, vous avez raison. Tu dégages, je vais m'occuper de ton pote. Voilà, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voilà, prendre un mec et l'occuper voilà, pendant qu'on détruit les autres.
Tiens, allez, lâche ta lance. Lâche. Putain, mais lâche ta lance. Aïe. Oula, toi tu vas pas me saouler. Voilà. Voilà. Ok. Alors tout de suite à gauche, on revient dans la cellule parce qu'il y a, voilà, un objet à récupérer que bah, ça n'a pas affiché parce que je l'ai déjà récupéré évidemment. Voilà, pierre de serment de prisonnier. Pierre brillante ambrée représentant un prisonnier en train de prêter serment sous les yeux d'intraitable Zirini. Confère de la rage infinie. Voilà, donc c'est un des artefacts à récupérer. Tiens, on va reprendre de la vie. Allez, on a combien? 24 minutes? Ouais, on va pouvoir continuer. Le problème, c'est que c'est une sauvegarde automatique et je sais pas justement quand est-ce que je peux sauvegarder ou pas. Alors, je vais essayer de faire des vidéos de 40 minutes, mais voilà, c'est pas... Ça va pas être totalement... totalement ça. Je ne suis pas aussi tendre que le sont les sœurs. Avouez quand même que j'ai la classe comme ça. Il est l'élu. Il nous libérera des griffes de ses ennemis. Il est maudit. N'approchez pas. Alors je le dis parce que je l'ai pas dit, hein, c'est vrai je l'ai pas dit et j'aurais dû vous le dire. Ça risque de spoiler un max, hein, parce que voilà, si vous avez pas fait le jeu mais que vous voulez regarder la vidéo, bah tant mieux. Mais voilà, je le répète, ça risque de spoiler. Parce que je compte faire tout le jeu évidemment. Ça, ça va m'énerver. Ah putain. Voilà, alors vous voyez que votre jauge... Voilà, votre jauge descend au moment où vous faites toucher ou si bah, vous attaquez pas... Cassez-vous. Voilà. T'as un peu bugué, hein, par contre. Ouais, chouette des copains. Toi, hop, tu dégages. Putain, encore, mais il y en a... Alors, voilà. Alors là, je comprends pas. Je viens à peine d'arriver. Voilà, en plus, la caméra, elle est dégueulasse. Voilà. Voilà, en fait, le truc, c'est ça. Alors, je sais que je peux pas, voilà, vous me dites... Il y en a certains qui m'ont dit, ouais, mais si tous les ennemis devaient se laisser se faire frapper et tout... Alors, j'ai pas dit ça, hein. Mais voilà, quand il y a, par exemple, il y a 50 ennemis, voilà, et que vous pouvez même pas placer 5 combos, je veux dire, où est l'intérêt de jouer à un God of War si vous pouvez pas faire plus de 5 combos, quoi, c'est... Voilà, après, je veux bien, oui, je sais que je peux pas, voilà... Casse-toi. Je sais que je peux pas dire oui, laissez-vous frapper et tout, mais il y a quand même des limites. Hein. Je veux dire, voilà, j'ai 10 ennemis dans l'arène, je veux quand même pouvoir placer 5 combos pour les tuer. Parce que là, vous avez vu, hein, là, j'ai même pas réussi à placer. Voilà, j'avais même pas réussi à placer deux combos que je m'étais déjà fait défoncer. Enfin bon, bref, c'est parti. Donc, là. La vie. Est-ce que la vie, je la redonne ou pas? Alors, attendez, je vais pas me la remonter tout de suite, la vie. Parce qu'on va avoir des ennemis. Allez, oh là là.
Hop. Allez, petit cyclope, je t'attends. Bon, faut que j'active ça alors. Ah bah voilà. Petit cyclope. Ça fait longtemps que je t'attendais. Ouais, donc bien évidemment, on va retrouver des monstres de bestiaire de God of War, évidemment, mais des nouveaux monstres aussi. Hop. Aïe, ça fait mal. Hop. Tiens. Et hop, on contrôle le cyclope, comme bah, dans les anciens God of War évidemment. Enfin surtout le 3, je crois, c'était dans le 3 que ça a été instauré ce truc là. Voilà, et là on tue tout le monde. Et normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, là, faut que je remette le mécanisme. Voilà, ce qui nous permettra d'aller en face. Voilà, donc ce jeu peut paraître mauvais, hein, d'après tout ce que j'ai dit, et bah, il est pas extra, hein, voilà. Donc c'est un God of War, on retrouve le principe, on retrouve tout ce qu'a fait un God of War, mais pas tellement, en fait. Voilà, niveau technique, bah, c'est pas trop ça. Niveau scénario, en plus, bah, c'est pas trop l'éclate non plus. Voilà, niveau interface, pas trop non plus. Enfin, voilà. Ils sont pas trop foulés, hein. Après, il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais c'est à cause du mode multijoueur et tout. Alors, c'est vrai que c'est à ça que j'ai pensé au début. Ah, coucou. Et hop, il a disparu, et vous n'allez pas savoir pourquoi. Enfin si, je vais vous le dire. Alors lui, il a disparu parce qu'en fait, c'est un peu en système avec le multijoueur, en fait. C'est une vidéo bah, pour le multijoueur, en fait, parce que le mec qui vient de disparaître, c'est une introduction au multijoueur, en fait. Aïe. 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 Voilà, mais c'est vrai que ce God of War est pas exceptionnel, hein. Personnellement, je suis un poil déçu. Allez, crève. Ouais, il y a des trucs, c'est interminable, quoi. Regardez ce combat. Ce combat va durer pas mal de temps. Allez, fallait sauter. Mais tu vas mourir. Voilà. Première phase. Ok, bon là tu vas nous balancer tes trucs normalement. Ouais, des insectes au menu. Oh, c'est chiant. Se faire stopper comme ça, c'est casse-couille perso. Ouais. Je me rappelle dans le 3, voilà, les ennemis étaient assez durs, mais voilà, on pouvait quand même placer des combos et les combats étaient pas aussi longs que ça, hein. Ah putain, il va retourner là-bas. Non, c'est bon. Alors, je sais que je refais les mêmes combos, mais je suis désolé, mais... Ah là ! La deuxième petite phase.
quoi. Putain, il y a des bugs, mais oh là là. C'est bizarre d'avoir autant de bugs dans un God of War. Envoie-moi tes machins là. Putain, tes machins de casse-couilles. Si vous voulez avoir de l'XP, je vous conseille de toutes les tuer, mais putain, mais qu'est-ce que ça me gonfle. Moi, ce qui me gonfle, voilà, c'est que les trucs, ils te stoppent, mais... Allez, vous allez crever. Moi, je m'en prends plein la tronche, en plus. Et il repart pour m'en renvoyer. Génial. Ouais, qu'est-ce qu'on s'éclate, ici. Et en plus, elles arrivent pile sur moi, mais là... Laissez-moi tranquille, putain! Bon, vous savez quoi? Je vais pas m'occuper des bestioles là, parce que sinon on y est encore pour la nuit là. Allez. Bon, ce qui est pas mal, c'est que les ennemis peuvent se tirer entre eux. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, j'ai terminé toutes les bestioles qui restent, là. Si, putain, mais... Vous voyez, c'est casse-couille. Personnellement, c'est casse-couille. Et voilà. Oh là là, mais je joue comme un pied, putain. Et tu m'en renvoies, oh là là. Mais sérieux, mais qui c'est les sados, là, qui ont envoyé ce boss de merde, putain. Perso... Je vais me faire stopper. On l'a rien à foutre. Allez! Hop, voilà, tu t'es empalé la main tout seul, c'est génial. Et hop, la deuxième. Aïe, ça fait mal. Ça aussi, ça fait mal. Et je pense qu'on va s'arrêter ici, les enfants. Voilà, une petite sauvegarde, ça tombe bien, parce que voilà, on a 36 minutes, et je pense que, voilà. Je pense que ça va aller. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la suite de God of War Ascension. Prenez soin de vous et à plus tout le monde. Ciao, ciao.